Bienvenue au Rudo. Javier est l'un des propriétaires de ce bar, en apparence semblable à n'importe quel autre. Sauf qu'ici, nous sommes à Ciudad Juárez, connue il y a encore quelques années pour être l'une des villes les plus violentes au monde. Depuis quelques mois, le taux de criminalité a chuté de manière spectaculaire et la vie reprend son cours. Comme d'autres entrepreneurs, Javier est plein d'espoir. Nous sommes un groupe de jeunes entrepreneurs qui faisons le pari de Ciudad Juárez. Nous voulons créer de nouveaux lieux mieux que méritent les clients. Il n'est pas nécessaire d'aller aux États-Unis pour trouver des endroits bien. On peut les trouver ici, un endroit avec une bonne ambiance. Au pic des violences, en 2010, plus de 3000 personnes ont été tuées dans la guerre entre le cartel de Sinaloa, dirigé par l'insaisissable Joaquim El Chapo Guzmán, et le cartel de Juárez. En 2012, le chiffre a chuté à 750. Et depuis janvier, à peine 33 morts. La raison de cette baisse fait débat. Selon plusieurs responsables interrogés, il n'y a en fait plus d'affrontements, car El Chapo aurait gagné la guerre et pris ce point le transit clé de la drogue vers les États-Unis. Pour la municipalité, c'est au contraire sa politique sécuritaire qui a payé. Nouveau chef de la police aux méthodes musclées, des patrouilles jour et nuit et une multiplication des contrôles dans les rues. Et pour le maire, c'est une victoire dont il est très fier. Un exploit presque. Aujourd'hui, nous pouvons clairement dire que Ciudad Juárez est une ville comme Palerme, Medellín, New York ou Chicago. Eux, ils ont mis 10 ans à faire baisser les chiffres de la délinquance. Nous, ça a pris 2 ans à peine. Mais les meurtres et les extorsions n'ont pas disparu. Une situation inévitable pour certains, tant que cette ville frontalière avec El Paso aux États-Unis continuera d'être un point de passage de la cocaïne, la marijuana et autres drogues de synthèse comme la méthamphétamine. Il n'y a plus autant de meurtres et de fusillades et de tout ça. Ce n'est plus comme au cours des dernières années. Mais il y en a toujours. Et c'est pas terminé. Et ça ne finira jamais. Le nouveau gouvernement mexicain veut en tout cas se servir de Juárez comme un exemple pour sa nouvelle politique de sécurité. Car si la violence a baissé ici, elle s'est déplacée sur d'autres villes, comme Acapulco, qui détient désormais le triste record de ville la plus violente du Mexique.